Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu. Doom Insign, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! C'est ça. Je le sens, l'arbre se meurt. Dépêchez-vous, messagère. Une souris dans une cage, cheveux lourds dorés. La prochaine fois que tu voudras toute mon attention, frappe-moi plutôt avec une poêle. Donc, on discute ou tu sais déjà ce que tu vas faire? Tu sais, juste pour que les choses soient claires, je ne pense pas que... Hé, regarde, cette vision mystique va servir de preuve dans un tribunal pigarien. Laisse tomber, je sais ce que tu veux. Cette révélation qui vient de me frapper, tu veux savoir pourquoi je l'ai tué? Tu me croirais si je te disais que j'ai les tués pour empêcher un désastre? Pour sauver notre monde? Ben, je sais. Je me croirais pas non plus. Je dois me mettre à ta place, voir avec tes yeux de quoi est-ce que j'aurais besoin si j'étais toi. Et si je te montrais quelque chose, même si bon, ça ne te retournera pas autant le cerveau que la vision que tu m'as montré? Très bien. Tu as peut-être remarqué que j'ai un talent pour les découvertes, mais qu'as-tu découvert, Ratika? Me demanderas-tu, content que tu le demandes? Peu importe, non. J'ai des... tu as attendu? Ce nouveau prisonnier dans la salle de torture me donne la chair de poule, je te jure. Le sourire qu'il avait, il prépare quelque chose. Ah, bonjour, nous partions justement. On était, ah oui, ma découverte. Beaucoup de nos plus distingués héros d'anciens ont leur propre idée sur la manière de combattre Pigaria. Ils sont rencontrés en secret avec Vera. La guerre m'a empêché d'enquêter davantage, mais je sais où ils se sont rencontrés. Et la preuve s'y trouve encore. Bon, il va me montrer. Nous avons donc jamais répondu à la question « Qu'est-ce que je suis pour toi? » Alors, je suis quoi? Un otage? Un outil? Mais on ne me regarde pas comme ça, tu l'auras ta preuve.
keep in mind that I'm also leading my people in a war. N'oublie pas que je mène aussi mon peuple à la guerre. Si on a encore des impériaux en chemin, on se battra. Chef, enfin libre. S'échapper, être libre, ce n'est pas pareil. Bon, continue. Venir, oui. Je sais que tu ne me fais pas confiance, je pourrais facilement changer cela, mais j'ai fait une promesse il y a des années. Et crois-moi, ne pas parler de quelque chose est vraiment difficile pour moi. Tandis que la jeune Vera examine les arbres, le son étrange semblable à un murmure qui chevaucherait le vent parvient à ses oreilles. Sa mère, Evanna, la pousse du coude. Vera, en tant que garde du temple, une responsabilité est de veiller sur les dieux sacrés. Pourquoi regardes-tu les arbres? J'entends quelque chose, mère. Tu entends le bruissement des feuilles, regarde. Vera suit le geste de sa mère avant qu'elle ne puisse lui répondre de mots. Et Rava décolle au ras du sol. Un instant plus tard, elle revient avec une prisonnière. Et Rava s'adresse à sa victime. Ratika, loin de te trembler de peur, Ratika crie sa frustration. Que faites-vous là? À m'attaquer ainsi, si violemment? Tu empiètes sur les terres réservées au temple du Yarkbog, répond Vera. Et Rava, tu le sais très bien, Ratika, alors que la petite redancienne bafouille une excuse. Et Rava se tourne vers la fille, renvoie-la d'où elle vient. Vera hoche la tête et saisit fermement la petite intruse, s'éloigne dans les airs. Je ne suis pas une intruse, tu peux me laisser partir, déclare Ratika après un moment. C'est assez inexact. Tu ne penses pas, réplique Vera devant le silence de la Rhodosienne. Vera poursuit, tu n'as rien d'autre à dire. Je cherche une manière dramatique de t'informer que tu as tort, virtuellement impossible. Accroche-toi, nous sommes presque rendus. Comme si j'avais le choix de m'accrocher ou non, marmonne Ratika. Vera relâche la Rhodosienne. Alors que Ratika s'enfuit, elle se retourne et crie. La prochaine fois, un petit avertissement serait apprécié, même si ce n'est qu'un murmure. J'ai envie d'éternuer. Je crois pas qu'à ça qu'on aurait terminé. Écoute, je sais que tu as essayé d'arranger les choses, je crois que nos vies en tous nous en dépend. Alors, confiance ou non, je vais t'aider.
after you're done saving the world? Nous devons aider les autres à construire une barricade, je n'ai pas encore terminé. Il y aurait plein de façons d'utiliser ce pouvoir. Renfrogné, Ratika maudit silencieusement le contremaître Pigarien au début de la reconstruction de Pigarien. Prudent avait assigné son frère cadet et elle a des tâches différentes depuis le jour où Holden avait disparu. Ratika reprime l'envie d'essayer de la balaler car se demandait si la magie de l'instrument pouvait influencer les esprits Pigariens. L'instrument avait un tel pouvoir, la prêtresse son dieu lui aurait transmis cette information, n'est-ce pas? Le contremaître termine de dévorer son pilon, le jette au loin et se dirige vers la caserne des soldats avant qu'il ne disparaisse. Ratika se précipite dans sa direction, mais alors qu'elle arrive à la caserne, plus de traces de Pigarien. Non, là, le voilà derrière la caserne glissant à l'intérieur d'une trappe camouflée au plus profond de son sternum. Les instincts de Ratika le poussent à le suivre. Le passage descend encore et encore avant de se niveler au couloir humide. Se poursuit une bonne longueur. Une ouverture se dessine à l'horizon. Quel est ce son? Ratika s'approche de l'autre bout du couloir tandis que les claquements de claquements empis deviennent de plus en plus forts. La rôde ancienne émerge couchée à un museau du sol avec sa discrétion et la prudence comme seule arme. Pour ses efforts, elle attend. Elle s'attend à pouvoir tendre une embuscade au pigarien solitaire. Au lieu de cela, le désespoir monte comme de la bile dans sa gorge. De Ratika, à la vue de ce qui se présente devant elle, de jeunes redanciens trop nombreux pour elle tombent sous les assauts. Répète deux fois, d'autres secouent mollement sous les coups de visage. Les redanciens plus âgés, vêtus comme des bigariens sans armée, et s'entraînent avec des exécuteurs impériaux. De quelle folie s'agit-il? Ratika cherche désespérément une réponse alors que la colère et la peur s'emparent.
Don't kill yourself yet. Once on the bridge, watch out. Je vais pas en faire attention au baril. La quête spéciale à l'Empire ce soir. And since I'm working hard to earn your trust, it'd be a waste if you blew yourself up. Voici un. Est-ce que c'est le chemin vers l'arbre? L'arbre, non. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse? As-tu sagé peut-être accidentellement suivi tes mystérieuses rencontres dans la nuit? Pourquoi faire friser une moustache de cette excitation, à moins que je n'aie mal compris? Je veux dire, qui organiserait une réunion secrète dans un endroit si évident, n'est-ce pas? D'ailleurs, si vous travaillez tous pour un plan secret, vous me le diriez, je suis votre chef après tout. J'ai dit aux autres que tu en avais, savais trop. Tuez-les! Tu vois les rabat-joie avec qui Vera était mêlée? Ici. J'arrive, on a le temps. Y a-t-il des Laurentiens qui n'ont pas impliqué dans cette conspiration? Un arbre. Ah, mais j'ai pas la clé violette.
Je sais pas où la prendre. Donc c'est elle qui l'aurait. Le sceau. Vois le symbole, c'est celui de Vera. Et moi. Nous connaissons depuis longtemps. Pour elle, l'art de créer des graves, des sceaux était sacré et elle n'aurait pas partagé la façon de la dévorer. Débrouiller la porte avec n'importe qui. Je dois réfléchir. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, quand je cherche une solution, j'ai besoin de crier. Elle est là. Et? Ils sont là. Qu'est-ce que j'ai de guerre bleue? Là-dedans. Il doit y avoir une autre manière de débrouiller la porte. Parle. Vous ne participerez pas au nettoyage de ce monde. Deux personnes seules auraient pu ouvrir la porte. Une est morte et l'autre sera bientôt. Deux personnes, tu dis. Peu importe, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus rien faire. Deux personnes, l'autre doit être quelqu'un qui verra avec confiance. Même un idiot comprendrait. Et c'est justement un idiot que nous cherchons. Où est l'ours? J'ai raison, en général, c'est le cas. Je sais qui peut le trouver. C'est l'ours, comme ça. De comprendre, on verra. Taverne de filles au bar. Radica? Celle-là, intéressant. Yeah. Interesting. So you know who this is? Alors, tu sais qui elle est? Je suis seulement surpris de te voir ici. Je sais que la bataille n'est pas encore terminée. Une urgence, écoute. Je sais que tu surveilles tout le monde. Où est Ludomir? Nous avons besoin de lui demander quelque chose. À moins de pouvoir retourner dans le passé, c'est impossible de se maintenant une pile de sang fumant. La faute d'Indre, bien sûr. C'est pas de chance. Fireboard. Oui, pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder l'heure? J'attends quelqu'un. Il sait que quelque chose va arriver à une telle heure précise. Exécutez instantanément plusieurs ennemis. Maintenez Y et relâchez. Je vais prier pour que votre succès, messagère. Ben, merci. Mais écoute-moi, ils te tailleront en pièces avant que tu n'atteignes les portes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Attends que tout soit terminé, ouais, tout ira beaucoup mieux.
going on your tablet. Je mets ça sur ta note de demi-heure. Bordel, Ratika, je vais t'arracher la gorge, même si j'ai besoin de retourner là-bas. Attends, dis-moi, pas grave, le comptoir, Indy. Et toi, qu'est-ce que tu lui as fait, hein? Ce n'est pas bien. Mieux vaut informer les autres. Il sait des choses, lui. Ouais, je suis malade. Quel crétin tu es, son propre passage secret pour retourner en prison. Ratika est ici, je sais que tes amis vont bientôt la délivrer. Il ferait mieux de ne pas se mettre à travers mon chemin. Lunamir, qu'est-ce que tu fous ici? Je suis revenu chercher mon manteau, il neige dehors. Votre boss est encore ici? Ouais, dans la tour. La garde nous cause pas mal de problèmes. Alors, camarade, t'es ici pour venger toi aussi? Elle t'a envoyé? Je sais que oui. Juste comme ça. Oui, juste comme ça, putain. Les souvenirs de cette pièce me collent à la peau comme un chemin, une chemise. Par une journée humide, regarde ces gars-là, trop faibles, même pour mendier de l'air. Je veux qu'un jour je vais brûler cette foutue pièce. Le combat n'est pas fini. Stop picking up stuff. Ah, c'est des trucs.
Eh bien, par mes moustaches, je ne m'attendais pas à voir la puissance Ludomir dans l'équipe de secours. Nous en avons l'avantage, c'est sûr. Semblant, camarade. Non seulement ici pour Attica. Restez ici, tous les deux. Nous allons secourir la chef. Ce n'était pas le plan. C'est le plan maintenant. Hors de mon chemin. Allons-y. Regarde cette barricade de l'ingénierie redentienne. Est-ce qu'on l'aide? Aux armes, quelqu'un a libéré les prisonniers. Le demeure et peu importe ce que tu es. Bouge la porte. Parce qu'elle m'a trompé en me faisant croire qu'elle était digne de confiance. Je suis encore le jour où elle est arrivée avec Vera Ratika, je pensais qu'une chouette orpheline devrait vivre. Non, je peux pas me permettre d'avoir un doute. Ratika doit mourir.
Dis merde, tu arrives trop tôt, mes poils sont encore tous en désordre. Garde tes blagues pour ceux que ça amuse. Donc, tu n'es pas ici pour me sauver. Ah, tu sais très bien pourquoi je suis ici. Attends, c'est compliqué. Donne-moi un moment, je peux tout expliquer. Je ne comprends pas pourquoi tu voudrais tuer Vera. Je pensais que vous étiez amis. Elle aidait même Redentia. Elle t'aidait toi. Écoute-moi, je peux tout expliquer. Laisse-moi deviner, pour la cause, pour le bien commun, pour Redentia. Garde ton explication. Tu la donneras à Vera elle-même. Mais je devais le faire, c'est pour laisse tomber. Ludimir, je comprends, mais toi, pourquoi vouloir ma mort? Laisse tomber. Tu n'en prends à la mauvaise Redentia. C'est fait, Vera, c'est fait. Je ne peux pas croire que c'est fait. Peut-être que maintenant l'esprit de Vera sera en paix. C'est la moindre des choses. Elle m'a parlé de ça. Quand elle est morte, elle m'a guidé vers son corps. Je l'ai trouvé dans les égouts. J'étais comme une vieille poupée. Je devais la visiter, sa tombe, je veux dire, nous deux. Elle voudrait que tu sois là, je pense. Nous sommes encore au milieu d'une guerre sanglante. Et nous devons écraser les plus grands bancs de plus petits espoirs pour la victoire. Nobody knows Radica's dead yet. Poor soul, still dead with chance. Ludimir. Surrender. Oh.
pensais que nous étions inclus. Merci, les amis. Tu es brillant, mon ami. Are you excited or something? Shadow boxing is useless. Let's go bash some real skulls. Oh yeah. Est-ce que tu vas? Je peux pas sauter là, moi. Niaisage. Ben là. Je pense que je faisais ça en spécial. C'est moi qui t'ai niaiseux là-dessus.
man the breach now! Mate! Over here! More enemies! Ils sont là prêts à être vengeance pour Vatica, pour Redentia. For Ratica, for Redentia. Oh, hold on, hold on. Attendez, c'est compliqué, d'accord, on en... On avait nos raisons, attendez, hein. C'est comme... Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu viens de comprendre comment se sent Ratica avant qu'elle la... On la taille en pièces, ironie. Je comprends enfin. Espèce de monstre. Come on! I will crush you! Holy whiskers! J'espère qu'on pourra faire entendre raison au prochain go. Fais attends avec ces petits trucs. C'est quoi le problème avec les empereurs et leur obsession avec les gros joueurs? Devant la balle ou quoi? Thank you.
go up there. Ah, c'est quoi le problème du Grandpa? C'est ça, les gros joueurs. Faut que je fais. Comme c'est lent ce bout là en plus. Just makes me angrier. Bloody hell! What's with emperors and their obsession with big toys? Did you see the sign? No dogs allowed on this bridge. One shot. Ah, mon Dieu.
talks with emperors and their obsession with big toys. Did you see the sign? No dogs allowed on this bridge. With explosives. Might! The detonator! Hey! Imperials! Les Imperials, est-ce que vous. Leg de Met vous ont appris à voler? On rappelle le héros, le grand Ludomir! Alors, on est OK? C'est OK que passé. Pas comme si vous aviez tué notre chef, après tout. Ouais, c'est pas un très bon chef de toute façon avec tous ses rimes et ses chansons. Et les blagues aussi. Comment elle pensait réussir quoi que ce soit? Tuer les traîtres. Je vais me battre jusqu'au bout. Tant pis, on aurait pu leur faire comprendre. Bouge, espèce de porc. Vera est incroyable, sa chanteuse a créé son propre sceau, comme ceux utilisés par Ratika et Indrek. Personne n'a pu faire ça depuis des siècles. Elle n'a enseigné qu'à une seule personne comment le déverrouiller. Et voilà. Une clairière dans la vieille forêt accède dans le sceau personnel sortant dans l'une de Vera, la prêtresse son dieu. Vous avez après dévoré les sceaux Vera. Viens juste d'apprendre le rituel du sceau. Ça m'a pris des mois. En tout cas, c'est un endroit secret. Vera et moi. Dans la rivière, l'eau lui arrivant aux genoux, Ludomir échoua lamentablement à attraper un poisson. Il préférait être en train de se battre et de rapporter des prix comme son père. Mais c'est bien de se battre, dit sa maman, mais ne pas mourir de faim est mieux. Ah, si seulement il avait des frères et sœurs, il leur dirait quoi faire. Ce serait eux qui feraient tout la pêche. Ludomir se met à rêvasser. Si la rivière se rend jusqu'au bout du monde et que ce sont nos temps, on sait pourquoi ne finit-elle pas par sécher. Un jour, peut-être, devrait-il explorer la limite du monde. Avec son propre dirigeable, même une sensation glaciale ramène Ludomir à la réalité. Il y a froid et il est debout dans l'eau depuis si longtemps. Il laisse s'échapper un profond soupir. Concentre-toi sur le poisson. Sur le poisson, reste immobile. Laisse-le approcher, attrape-le. Raté encore, il déteste pêche. Sa colère augmente, frustré, Ludomir frappe la surface de l'eau, produira une énorme éclaboussure. Il sent un mouvement sur la rive. Un poisson se sortit, emporté par la vague.
Il sourit. Si t'avais pu voir ça, maman. Ludomir rentre dans la maison tenant fièrement sa prise. Il ouvre à peine la porte que sa mère l'attrape par le bras. Il attire à l'intérieur. Son visage est grave. Viens, nous avons des invités. Il ne porte même pas attention au poisson, maman. Que se passe-t-il? Dans les grands, se tient deux personnes couvertes de terre. L'une d'elles, Eratica. Ludomir ne connaît pas l'autre, qui ressemble à une version plus fraîche. Si c'est possible que Eratica, sa mère, t'adresse aux deux invités, effectue un geste en direction de Ludomir. Il n'est pas encore au courant. Arrête de traîner, camarade. Bloody monsters. Maudit monstre, allez au diable. Vera était ma sœur aussi chère pour moi que si nous étions liés par le sang. Jeune, nous étions si proches, ensuite nous nous sommes juste éloignés. Je les laisse tomber quand elle avait plus besoin de moi. Elle avait plus, ouais. L'esprit vengeur que tu m'as envoyé a accompli sa mission, petite sœur. C'est ce que tu voulais, non? La paix. Vera? Vera? Qu'est-ce que tu dis? Pas en paix, épée, cette épée. Que veux-tu dire trop tard? Sword? That sword? What do you mean too late? Une clairière dans la vieille forêt accessible par un sceau personnel portant l'emblème de Vera. Après être descendu, vous avez appris à dévorer les sceaux de Vera. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Home Insign, live, sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah! Oh! Odin, vous avez vu? Ça ne devrait pas se produire une seconde de plus, et la prochaine fois, je verrai plus vite. Vous êtes en sécurité maintenant. Alors maintenant, c'était tout pour l'aventure du jeu Home Insign, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!